Si le sol est un petit peu meuble en surface, il n'y a pas besoin que ça soit travaillé très profondément, mais sur 2-3 cm, ça permet de poser la motte très vite et de passer à la salade suivante sans être obligé de faire un trou avec des doigts, etc. Sauf que là, la météo ne permettait pas de retravailler le sol sans faire des boulettes, hein, des dégâts en termes de structure du sol. Donc j'expliquais là qu'on allait travailler différemment, que j'allais faire en sorte juste de nettoyer la parcelle avant de la bâcher, sans travailler le sol, de manière à pouvoir quand même respecter le planning et planter des salades à temps. Le fait que le sol soit meuble, ça aide énormément au geste de repiquage, quoi, hein. On ne cherche pas, c'est pas dur, ça va tout bien pour repiquer. Donc du coup, je passe le rotavator et repiquage dans la foulée. Et on plante sur la planche horrible, moi je dépose les plants et Tamara elle plante. Donc ouais, là on a passé je crois 2 fois le motoc, hein, l'air rotatif sur Ouais, la planche là, mais c'était elle était sec horrible. et on n'avait pas beaucoup d'eau à ce moment-là. C'était Restriction d'eau, Ouais. on n'avait pas le droit d'arroser comme on voulait. Et voilà, donc au niveau du travail du sol, c'est pourri, C'était pas donc terrible, ouais. c'est plantation de l'extrême là. Donc c'était très long. Donc ouais, nous on a fait le choix de se diviser en 2 équipes, ou même si on est seul à planter, d'abord on place les plants et ensuite on plante. Comme ça on n'a pas besoin de trimballer la planche, enfin la plaque avec. Et puis. Après moi quand je suis toute seule, généralement je prends la plaque à C'est verrouiller vrai? avec et je place pas forcément avant. D'accord, ouais, bah Mais bon. moi je fais avant, je trouve que ça va plus vite en fait de faire à la chaîne. Je fais toujours de la même façon, que ça soit en motte ou en plaque alvéolée. Je dépose les plants sur la bâche. Je dépose tous les plants. Et ensuite, je plante. Ça fait deux tâches Vous avez différentes et rien ça permet pour sa tige? de répéter le même mouvement, enfin d'être concentré à ce qu'on fait, de répéter le même mouvement et d'être plus efficace. Et ça permet aussi de mieux soigner la plantation. Parce que si on traîne la caisse avec une main et qu'on plante qu'avec une main, je trouve que si le sol n'est pas apte à recevoir la motte dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir sa deuxième main pour réappuyer un peu le sol autour de la motte. Et puis t'as pas de mouvement parasite quoi, quand tu poses, t'es là avec ta plaque, tac 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 tac, et puis après quand tu plantes, t'es pas sans arrêt en train de tirer ta plaque. Enfin voilà, faut que ça va plus vite. Quand j'ai un plant, tu vois, j'ai aussi pas l'outil pour mes plaques là, tu vois, mes plaques alvéolées, pour tout déchausser d'un coup. J'ai pas l'outil là, et donc du coup, je suis obligée de faire motte par motte, tu vois, en dessous avec le doigt. Alors déjà, ça fait mal aux doigts. Et en plus, des fois, quand tu as une motte justement trop serrée, tu vois, ou trop tassée, des fois, je galère à les enlever et je perds vachement de temps, en fait. Je me suis rendu compte que ouais. Ouais, le dépotage, ça va assez vite. Et alors, ça, faut pas oublier la plaque à dépoter. On oublie régulièrement la plaque à dépoter. Faut qu'on en laisse une au jardin. Oui, parce qu'après, on a la flemme de faire l'aller-retour, donc on dépote au doigt et au final, on perd du temps. C'est ça. Plantation de salade à la machine. Donc à la machine, on avait calculé que ça nous faisait gagner un tiers de temps par rapport à la main. Le gros avantage de la machine, c'est que les salariés ne peuvent pas arrêter. Donc il n'y a pas de temps de pause. Donc du coup, ça fait beaucoup plus qu'un tiers de temps de gagner. L'avantage aussi, c'est que ça oblige à travailler en groupe. C'est-à-dire que quand c'est une personne qui doit planter 6000 plants, c'est fastidieux, quoi. Alors qu'à la machine, on est quatre. Et puis, 8 à 4, et ben, en général, on essaye de ne pas dépasser des séquences de 2 heures pour pas que les gens aient le dos cassé. Et puis l'autre avantage de la machine, c'est qu'on a un écartement parfait. Donc après, le travail à la bineuse est possible, parce que la plantation à la main, c'est jamais parfait. Avant, on mettait un mètre pour voir à peu près les 30 cm. Maintenant, on fait à la main, quoi. Donc c'est peut-être un peu irrégulier quand même. Après, on a souvent notre couteau sur nous. Enfin, on fait avec notre main, on sait à peu près combien fait notre main. Voilà. Ça, c'est 10 cm, ça, c'est 15, ça, c'est 20.
Donc, toutes les mesures, on vérifie de temps en temps pour voir si on est bien. Parce que c'est vrai que sinon, en fin de planche, si on sait qu'on a encore pas mal de plaques, on a tendance à beaucoup serrer. Donc là, il faut faire attention à ce moment-là. Je suis sur 3 rangs en plein champ. J'hésite toujours à mettre 4 rangs sous serre. Alors un coup, je fais 4 rangs, un coup, je fais 3 rangs. Ça... En général, au printemps, je mets 3 rangs. Et là, en hiver, sous serre, je suis passée à 3 rangs. Parce que je trouve que ça reste plus longtemps et au niveau sanitaire, humidité et tout ça, je trouve que c'était mieux sur 3 rangs, quoi. Nous, on met la terre au-dessus de la motte. On n'enterre pas le collet, mais on recouvre légèrement la motte pour pas qu'elle sèche. Ah. A priori, on est les seuls à le faire. Et peut-être qu'on arrêtera, voilà. Je sais pas. De toute façon, c'est vrai que sur la salade, c'est pas comme certains autres légumes qu'on n'arrose pas aussi régulièrement, la salade à l'implantation, on fait quand même attention. Donc c'est peut-être pas si important que ça. Et puis on a remarqué que certains salariés enterraient un peu trop quand même la salade. Donc, à la récolte, c'est embêtant. Oui. À la récolte, c'est embêtant, et puis ça crée quand même quelques maladies. Moi, ce que je vise, c'est simplement que la motte est vraiment à bon contact avec le terrain, c'est-à-dire l'appuyer suffisamment fort pour qu'il y ait un bon contact avec la terre. Mais par contre, qu'elle soit le moins recouverte possible, quoi. D'ailleurs, on voit sur tout le terreau est encore apparent, mais l'idée, c'est pas de recouvrir la motte, hein. C'est qu'elle soit posée le plus possible au-dessus, pour toujours garder cet espace maximum entre la future salade et le sol, quoi, hein, tout simplement. Pourquoi ? Pour la ventilation, pour pas avoir de maladies. Dès qu'on a planté nos deux planches, on met les aspersions. Alors, je mets rarement les gros asperseurs sur les salades parce que deux planches, c'est trop étroit. Enfin, deux planches plus les deux d'à côté, donc les deux précédentes qui ont été repiquées 10 jours avant. Mais c'est trop étroit pour les asperseurs, ça risque d'arroser trop loin. Et donc de se retrouver avec des salades déjà développées qui se reprennent l'aspersion, parce que quand on fait cette aspersion sur un repiquage, c'est tout de suite derrière le repiquage, donc c'est en pleine journée. Donc ça peut être par la chaleur, parce que de toute façon, quand on repique comme ça, il y a urgence à les retremper derrière, donc on ne tient pas compte du matin, du soir, on repique, on arrose, ça c'est clair, quoi. L'idée, c'est d'arroser très fort. Bon, en plus, c'est des sols qui sont quand même très, très drainants. C'est des sols argileux calcaires qui sont très drainants. Donc, l'idée, c'est qu'elle aille s'enraciner très fort. Donc, on imprègne vraiment très fort le sol au départ. De toute façon, vu la taille des mottes, on irrigue dès la plantation. On irrigue avant, même si la planche est vraiment trop mouillée. Trop sèche, pardon. Cette année, j'ai particulièrement fait attention plus à ça, surtout sur l'irrigation. Et donc à l'implantation, là, les salades pendant au moins une semaine, pas forcément au printemps, hein, mais en tout cas, quand il a commencé à faire un peu plus chaud, j'ai arrosé tous les jours. Si le temps est très humide et que le sol est très humide, je ne fais rien. Je prends soin de bien appuyer la motte au moment où je la plante et je me limite à ça. Si le sol est humide, mais qui fait sec, enfin qu'il y a du vent, qu'il y a du soleil, je me contente de mettre un arrosage normal juste après la plantation, c'est-à-dire une aspersion d'une heure environ, ce qui correspond à 7 mm d'eau. Si le sol est sec et qu'ils n'annoncent pas de pluie, que c'est sec sur plusieurs jours, là je prends le jet d'eau, le tuyau, et j'arrose chaque pied de salade au tuyau environ une seconde par salade, ce qui permet d'assurer déjà que même si on fait ça le matin, que la salade ne va pas flétrir dans la journée. Et ça permet aussi d'avoir la terre sèche qui, en s'humidifiant, va mieux adhérer à la motte et avoir un meilleur contact entre la motte et la terre. C'est ce qui prend le plus de temps, mais l'été, c'est quasiment toutes les plantations sont faites comme ça.